Bonjour, je m'appelle Cook Dang Tran, je suis auteur et producteur sur Parallèle, la prochaine série de Disney+. On aurait dû payer les factures d'électricité. Le projet a commencé il y a à peu près 10 ans, lorsque j'ai emménagé à la frontière franco-suisse. Il y avait un accélérateur de particules, le plus grand accélérateur de particules au monde, à 100 mètres sous terre, un anneau de métal de 27 km de circonférence, qui cherche à recréer les conditions de création de l'univers. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à inventer, parce que le fantastique français existe, et existe depuis longtemps. Et donc, il y a un credo qui est très simple, c'est qu'on rentre dans une histoire pour le genre, et ensuite, on reste pour les personnages. Je n'en reviens toujours pas que je puisse vivre de mon écriture. Je suis un conteur de coin du feu avec un grand feu. Producteur, c'est l'étape suivante aussi, parce que les auteurs ont longtemps été brimés. Et donc, il fallait aussi monter en puissance. C'est une double casquette, mais c'est une double casquette nécessaire, je crois. Oh punaise. Je suis Éric Laroche, producteur de Parallèle. Bonjour, je suis Raphaël Rocher, producteur de Parallèle. On est immédiatement tombé amoureux du projet. Il arrive bien à avoir ce mélange de ton entre de la SF un peu exigeante et des persos en étant très humains. C'est-à-dire de réussir à combiner le teen drama, un peu un parfum à la Stand By Me, à la Goonies. Et en même temps, de jouer avec les dimensions parallèles, le fantastique, tout ça, c'est un truc qu'on apprécie beaucoup. Alors, c'est la première série que Disney+ achète en Europe. C'est une aventure collective entre Disney+, l'équipe française de Disney+ et Empreinte, qui dépasse une simple production d'une série.